Bienvenue, bienvenue les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour notre Self Leadership Mastery. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 43. 43 semaines qu'on se retrouve, qu'on partage des informations pour vous permettre de passer du rêve à la réalité. Parce que c'est ça en fait, c'est le trait d'union entre vos rêves et la réalité, c'est vous, c'est votre leadership, c'est votre capacité à vous prendre en main et de vous dire « je vais y arriver ». J'ai ce rêve, j'ai ce truc en moi là qui ne demande qu'à émerger. Je ne sais pas forcément d'où ça vient, mais j'y crois. Comment je persévère, comment je vais jusqu'au bout pour être sûre de faire de ce rêve une réalité. Et vous pouvez beaucoup voir de gens passer du rêve à la rêvasserie. C'est qu'ils ont des rêves, mais ils restent dans le rêve en fait. Et ils ne se rendent pas compte que le seul moyen de passer à la réalité, c'est en changeant soi, en investissant sur soi et surtout en croyant en soi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce thème pour vous faire prendre conscience en fait que vous êtes la clé. Vous êtes la clé. C'est pour ça que cette notion de self-leadership, hein, on parle beaucoup de leadership, mais je parle de self-leadership, c'est vraiment déjà votre capacité à vous-même à vous prendre en main. Parce que quand vous faites ça, quand vous devenez 100% responsable de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, il n'y a plus de victimes. Et donc, comme il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux. Il n'y a que vous avec vous-même. Et vous avez la capacité maintenant d'avancer et de transformer votre vie, de changer les choses, que ce soit dans votre santé, dans vos relations, dans votre business, dans votre carrière, dans vos finances. Tout devient possible. Mais s'il n'y a pas cette responsabilité, si vous vous dites que vous n'êtes pas là où vous voulez parce que vous n'avez pas l'argent, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas ceci, parce que vous n'avez pas les bonnes personnes, rien ne va se passer en fait. Et ça veut dire que vous ne croyez pas en vous. Vous croyez que c'est l'argent qui va vous sauver. Vous croyez que c'est le temps qui va vous sauver. Vous croyez que ce sont les investisseurs qui vont vous sauver. Vous croyez que tout le monde va vous sauver, sauf vous-même. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et donc, je vais vous donner vraiment quelques informations très pratiques que vous allez pouvoir mettre en application. D'accord? Donc, on fait ça comme ça. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Yes, Louise, the session is in French. Next time it will be in English. Bonjour, bonjour, Jenny, Valérie, Grace. Bonjour à tous. Bonjour, Sophie. Exactement, bah, je vois que ça commence fort, on devient vite notre propre bourreau, exactement, et on a envie de changer ça. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, le jour où j'ai dit stop Farida, arrête d'être ton propre bourreau, arrête de jouer les victimes, tout a changé pour moi. C'est comme si j'étais dans le même monde, mais un nouveau monde s'ouvrait à moi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie pour vous. Et c'est pour ça que je mets cette énergie chaque semaine à animer ces Self Leadership Mastery. Parce que je sais que certains d'entre vous, vous devez d'abord écouter l'information 40 fois avant de prendre conscience qu'est-ce que ça veut dire devenir leader de votre vie et d'investir sur vous maintenant pour travailler en individuel avec moi ou pour rejoindre un de mes coachings de groupe. Et c'est pour ça que je prends tout ce temps et cette énergie. C'est que j'en ai marre de voir des gens souffrir inutilement pendant des années, ne pas avoir ce qu'ils veulent ou être frustrés parce qu'on peut se sentir bien même quand on n'a pas tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans le processus. Mais combien d'entre vous, vous n'êtes même pas dans le processus, vous n'êtes pas réellement dans cette dynamique où vous y êtes, mais c'est les montagnes russes en fait. Un coup on y est, puis on y est plus pendant 6 mois et puis on revient pendant 3 jours et on n'y est plus pendant 1 an. D'accord? Donc, je prends ce temps-là parce que je me dis, mais waouh, si quelqu'un m'avait expliqué ces informations, avait pris le temps de m'accompagner semaine après semaine, de me recadrer, de me dire où est-ce que je perdais du temps, où est-ce que je faisais des erreurs, comment il fallait faire. Mais waouh, ma vie serait totalement différente. Ma vie serait totalement différente. Et c'est pour ça que j'ai cette passion de partager ça.
Parce que je sais que ça fait la différence. Et même mes clients qui me payent sont connectés le mercredi. Oui, écoute les replays. Pourquoi? Parce que c'est de l'information, ce sont des pépites. Ce sont des pépites. Et je ne sais pas si on a Grace qui est là. J'aimerais faire intervenir Grace parce que ce matin, on avait sa session de coaching. Et donc, on ne s'était pas parlé depuis 3 semaines et tout. Et là, elle me dit, waouh, il s'est passé plein de choses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est comme si, en fait, elle avançait et d'un coup, elle a fait un pas de géant. Et je lui ai posé la question. Parce que rappelez-vous, hein, la notion de self-leadership, c'est également de comprendre quelle est votre mécanique de succès et d'être capable de la décrypter. Et donc, si vous vous connectez pour la première fois, je vous encourage à aller écouter les Self-Leadership Mastery numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que franchement, je prenais du temps pour expliquer tout ça. Et comme on a beaucoup d'habitués, ben, j'ai aussi envie d'avancer. Donc, vraiment, c'est aussi maintenant à vous. Il y a énormément d'informations. Vous allez sur ma page Farida Kadiri, vous allez dans la section vidéo, il y a plus de 40 heures. Donc, à un moment donné, vous devez aussi prendre ce temps. Investir sur soi, croire en soi, c'est aussi prendre le temps pour soi. Et allez les réécouter. Et si vous y étiez il y a 44 semaines, allez les réécouter encore parce que vous allez voir, vous êtes une nouvelle personne et les choses vont changer. Et je parle beaucoup de savoir comment entrer dans sa mécanique du succès. Mais vous ne pouvez pas entrer dans votre mécanique du succès et créer cette dynamique dynamique après dynamique si vous n'analysez pas les choses. Donc moi, mon rôle à chaque fois que je vous coach, c'est de vous poser les questions. Parce qu'en fait, fondamentalement, je m'en fous de savoir si vous avez réussi ou pas. Et je m'en fous de savoir si vous avez échoué. Moi, ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, je vous montre quels sont les schémas de pensée, les émotions, les actions qui vous ont rapproché de vos rêves ou au contraire qui vous ont éloigné de vos rêves. Et comme ça, vous pouvez faire les ajustements nécessaires. Et petit à petit, quand vous avez conscience de vous-même, vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez faire les choses vous-même. D'accord? Je ne suis pas là pour être votre béquille, je suis là pour vous donner votre autonomie. Mais regardez, un enfant, juridiquement, il est autonome à partir de 18 ans. OK? Donc, est-ce que je vais rester 18 ans dans votre vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces Self-Leadership Mastery sont là toutes les semaines. Donc, profitez-en. Profitez-en. Et si vous voulez accélérer, bah, venez travailler ensemble, rejoignez le mastermind. On approfondit, où tous les 15 jours, on se parle, il y a de nouvelles thématiques, on va en profondeur, vous bénéficiez de coaching individuel. Mais c'est votre responsabilité. Vous devez savoir, est-ce que vous êtes vraiment sérieux avec votre désir d'avancer? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc, je pose la question à Grace. Et elle me dit, waouh, le dernier Self-Leadership Mastery sur les surfeurs et les rameurs, on fait un déclic. Donc, je travaille avec Grace depuis septembre-octobre. Mais c'est la répétition. Et à un moment donné, elle a eu le déclic. Elle a tout refait et boum, les opportunités ont commencé à venir. Donc, Grace, je ne sais pas si tu es là parce que j'aimerais que tu nous partages quelques mots. Alors, comment je fais ça? Voyons voir. Alors, c'est bon, Grâce, tu as la parole. Allô, Grâce? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend super. D'accord. Bienvenue, bienvenue, Grâce. C'est vrai que je t'ai un peu prise au dépourvu puisqu'on se parlait ce matin lors de ton coaching individuel, mais j'étais tellement contente quand tu m'as partagé ce moment de déclic et voir comment en quelques semaines tout s'est aligné dans ton projet que je trouvais important pour les autres de savoir que ce que vous faites quand vous prenez le temps, vous investissez sur vous pour écouter ces Self-Leadership Mastery, pour réécouter les replays, les choses bougent en fait. C'est juste le temps que les morceaux du puzzle se mettent en place. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu suis les Self-Leadership Mastery? Depuis octobre.
Depuis octobre, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, celui qui a fait le gros déclic, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, quelle était la thématique et qu'est-ce qui a résonné avec toi qui fait que ça t'a fait rechanger toute ta stratégie par rapport à ton projet? La thématique, c'était celle du dernier déjeuner, être en paix, même face aux difficultés. Et il tombait à pic, puisque la veille de ce déjeuner virtuel, j'avais décidé d'abandonner, parce que je ramais, vraiment je ramais, et j'avais même exposé le fait que j'avais mal au bras. Le fait de ramer, ça s'était vraiment matérialisé sur mon corps. J'avais des courbatures au bras sans avoir fait de sport le lendemain. Et ça m'a vraiment aidé. J'ai cette métaphore du surf, d'arrêter de ramer. D'un coup, tout s'est aligné en effet. J'ai décidé de rechercher le pourquoi j'avais ce projet-là, pourquoi ça me tenait à cœur. Et j'ai décidé, suite à ce déjeuner virtuel, de ne plus ramer. C'est vraiment une décision que j'avais prise. Bon, j'arrête de ramer. Il faut que j'abandonne quelque chose en effet, et j'abandonne le fait de ramer. Et à partir de là, tout ce que j'avais pu semer avant, j'ai commencé à le récolter d'un coup, et j'ai arrêté de ramer. Pour mon projet, ça a commencé petit à petit, hein, pour mon projet, mais aussi soudainement, j'avais des invitations à des places de concert. J'avais plein de cadeaux qui tombaient comme ça, un peu du ciel. Et le plus gros, ça a été hier, un monsieur qui m'avait observé lors d'un dîner. J'avais fait un discours en exposant mon projet il y a des mois, qui est venu à moi en me proposant son aide, en me proposant son réseau, ses contacts et son argent d'un coup. Et il y a eu plusieurs opportunités comme ça qui se sont déployées, enfin, vraiment déployées. J'ai trouvé mes planches de surf. Il y en a plusieurs et bah, là, j'en vois plein d'un coup. Génial, bravo, bravo, bravo. Et j'ai envie de partager aussi, pour grâce d'arriver à ce moment-là, je me rappelle, et je pense que c'était au mois de décembre, on fait ton coaching individuel, et puis là, par contre, ben voilà, tu étais vraiment dans cette phase, je rame, je rame, je rame, et je te pose la question, mais tu as arrêté de faire quelque chose. Et je ne sais pas si tu te rappelles cette session-là. Oui, si. Alors, dis-moi. J'avais arrêté de j'avais arrêté de suivre les Self Leadership Mastery. J'avais arrêté aussi de venir au déjeuner virtuel. J'avais un peu laissé de côté le développement personnel. Et j'avais arrêté d'investir en moi, de prendre soin de moi, de moi-même. Enfin, le véhicule de mes rêves, le véhicule de tous mes projets, c'est moi, et j'avais arrêté de prendre soin de moi alors que c'est la base. Et donc, c'est vraiment ça, parce que merci infiniment, grâce, parce qu'en plus, du coup, moi, comme je travaille avec toi, je vois les deux pendant, mais quand les gens viennent vers moi, me disent, j'ai pas le moral, ou ils commencent une session en étant négatif, etc., je dis, il y a quelque chose que tu as arrêté de faire. Il y a quelque chose que tu as arrêté de faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait tellement de sessions de coaching que maintenant, je reconnais les schémas. Et surtout, comme je commence à travailler avec vous, je vois comment vous progressez. Quand on a commencé avec Grace, elle me dit, mais waouh, juste en écoutant les vidéos sur ta chaîne YouTube, j'ai senti le changement. Elle était vraiment dans une dynamique. Et quelques mois après, je vois qu'elle n'est plus dans cette dynamique. Donc, je dis, non, mais il y a quelque chose qui a changé. Et c'est ça, en fait, votre capacité, vous devez faire cette introspection. Donc parfois, oui, on peut se retrouver dans des situations où pendant momentanément, mais vous ne pouvez pas arrêter parce que vous savez quoi? La négativité qui est à l'extérieur de nous est beaucoup plus importante que la positivité qui est en vous. Et il n'y a rien de bien ou de mal, c'est un état de fait. Donc quand vous arrêtez votre coaching, votre développement personnel, vous n'écoutez plus les audios tous les jours, vous ne lisez plus tous les jours. J'ai envie de dire, vous allez voir, hein, en moins de 30 jours, la dynamique dans laquelle vous êtes va changer. Elle s'est réinvestie dedans.
Et regardez, tout ce qu'elle avait commencé à semer depuis octobre a commencé à porter ses fruits. Et j'ai envie de dire, suivez grâce, parce qu'elle a un super projet sur lequel on travaille et ça va vraiment changer les mentalités, ça va vraiment changer les choses. Et pour moi, c'est juste un honneur de l'accompagner dedans. Mais pour ça, et parfois je suis taf et je lui dis, non, grâce, tu dois continuer à investir parce que vous êtes votre meilleur investissement. Et regardez, quand elle a cru en elle, et qu'elle a décidé de prendre ce temps pour elle, de se connecter. Je sais, certains d'entre vous, vous êtes au travail, mais grâce aussi travail. Si vous ne pouvez vraiment pas être en direct, vous écoutez le soir, écoutez le mercredi soir en même temps le replay. D'accord? Et vous savez que c'est chaque mercredi. Et il y a 44 heures. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez un des programmes. Venez participer au séminaire. Samedi, je fais un séminaire à Paris sur la confiance en soi. Venez, vous allez voir les choses. Parce que quand vous commencez à croire en vous et que vous faites les choses, vous savez quoi? Les autres commencent à croire en vous. Parce qu'ils croient plus en vous, parce que vous croyez en vous-même. C'est fou, hein? Vous pouvez même avoir tort. Si vous croyez en vous suffisamment, vous allez embarquer les gens avec vous. Mais c'est pour ça que les escrocs réussissent, d'après vous. Parce qu'ils sont tellement convaincus par eux-mêmes, même si c'est faux, qu'ils arrivent à embarquer les gens. Donc, que ce soit dans votre carrière, où vous voulez avoir plus de visibilité, vous voulez réussir, vous voulez avoir cette promotion, cette augmentation, que ce soit dans vos business ou dans vos relations, parce que vous voulez embarquer votre conjoint dans vos projets ou vos enfants, vous devez d'abord croire en vous. Et ça passe par le développement personnel. Vous devez vous développer vous-même. Je te remercie infiniment, grâce pour ce témoignage et vraiment de voir que bah, parfois, c'est la répétition. C'est uniquement par la répétition. Parce que regardez ce qu'elle nous a dit. Ce jour-là, elle a pris la décision d'arrêter de ramer. Est-ce que vous entendez? Elle ne savait pas comment elle allait arrêter de ramer. Elle a juste pris la décision à partir du moment, maintenant, stop, j'en ai marre d'avoir mal au bras, je vais arrêter de ramer. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Aujourd'hui, je n'ai pas juste une planche de surf, j'en ai plusieurs. Avez-vous pris aujourd'hui la décision d'arrêter de ramer? Ou vous êtes encore dans l'idée de comment je vais surfer? C'est pas ça la question. Décidez d'arrêter de ramer et vous allez voir que tout de suite, vous allez apprendre à surfer. Parce que les planches de surf sont déjà là. Les personnes qui ont commencé à l'appeler, même moi, elle me racontait ça ce matin, je dis, mais waouh, c'est juste génial. Parce qu'en prenant cette décision, elle a changé sa vibration. Donc, quand vous changez votre vibration, que vous n'êtes plus dans une position de victime, aidez-moi, j'ai besoin de vous, mais dans la position de, vous savez quoi, moi, j'y vais là. Soit vous venez avec moi parce que je suis en train de faire quelque chose de grand qui va changer le monde, et vous avez envie de faire partie de cette histoire où vous allez me regarder passer et vous allez vous mordre les doigts toute votre vie en disant « Mais mince, elle m'avait contactée, j'avais eu cette opportunité. » Et vous savez quoi? Les gens comme ça, les gens veulent investir sur des personnes comme Grâce. Les gens veulent investir avec des personnes qui osent, qui ont ce grain de folie, qui disent « Vous savez quoi? Je ne viens pas de ce milieu-là, je ne l'ai pas fait, mais là, je vais le faire. » Parce que j'ai envie. Et c'est ce type de personne que vous voulez être. Ce type de personne qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'investir, sur laquelle on se dit, mais waouh, j'ai envie de savoir qui elle va devenir dans 5 mois, dans 5 ans, dans 50 ans. Parce qu'on voit le potentiel. Pourquoi? Parce que vous avez cru en vous et que toutes les actions que vous posez sont alignées avec. Donc moi, Grâce, j'ai trop hâte de voir l'issue. Je garde un peu de mystère et tout parce qu'on est en train de finaliser tout ça. Mais voilà, quand je vais vous dire, voilà, c'est bon, le projet de Grâce, il est sorti et vous devez le soutenir, je compte sur vous pour le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que
Elle le fait avec ses tripes. Ça lui demande beaucoup de courage, beaucoup de conviction, mais elle va vraiment changer les choses. Merci beaucoup, Grace, pour ton partage. De rien. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis à chaque fois, invitez vos amis à partager ça. Parce que ça change les choses. Vous allez changer votre vie et vous allez changer la vie de vos amis également. Et c'est important. Alors, attendez, comment on fait? Ok. Donc, oui, c'est carrément puissant. C'est carrément puissant, ouais. Bravo, merci à Grace pour ce témoignage. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je pourrais passer une heure juste à vous faire passer des témoignages encore et encore. Tellement il y en a. D'accord? Mais ça demande dedication, ça demande un minimum d'effort, d'investissement. Vous devez apprendre à parier sur vous. Partagez ça autour de vous. Donc, si ce n'est pas fait, en 2-3 clics, partagez ce live sur vos réseaux sociaux. Alors, d'après vous, quels sont les signes qui montrent que vous ne pariez pas sur vous actuellement? Ou en tout cas, pas à 100%. Parce que si vous êtes déjà là, c'est que vous y croyez un petit peu. Mais là, j'ai envie que vous soyez à 300%. Donc, d'après vous, quels sont les signes qui montrent que vous ne pariez pas sur vous? Parce que c'est ça qui est important. Là, maintenant, c'est fini la médiocrité. On ne veut pas atteindre des moyens rêves. On veut vraiment les grands rêves. Et c'est possible. Et c'est possible. D'accord? Donc, certains d'entre vous, vous pensez peut-être que les autres sont plus importants que vous. Et vous les traitez en tant que tels. Quand c'est fait pour les autres, c'est bien fait. Mais quand c'est pour vous, vous le faites mal. Je me rappelle toujours cette cliente qui me dit, voilà, quand il s'agit de travailler pour mes clients, pour les aider à développer leur business, je peux passer des heures, des nuits blanches, elle est à 300% pour ses clients. Mais pas pour elle. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez penser que vous êtes importante d'abord. Si vous pensez que vous n'êtes pas importante, vous savez quoi? Les gens vont vous traiter comme quelqu'un qui n'est pas important. Mais pensez que vous êtes important, vous devez aussi avoir le comportement qui va avec. Vous devez avoir la posture qui va avec, l'énergie qui va avec, la vibration qui va avec. D'accord? Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes une personne importante? Marquez-le, Farida. Je suis une personne importante. Et vous le marquez. Moi, Grace, je suis une personne importante. Moi, Khadija, je suis une personne importante. Marquez-le. Criez-le haut et fort. Taguez-le sur Twitter. Mettez-le sur les... Vous êtes une personne importante. D'accord? Je suis une personne importante. Et vous devez vous le marteler jour après jour. Si vous pensez que les autres sont plus importants que vous, vous allez toujours mieux traiter les autres que vous-même. Et ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas changer votre famille, vous ne pouvez pas changer votre communauté, vous ne pouvez pas changer le monde si vous pensez que vous êtes moins important que les autres. On est tous importants. D'accord? On est tous importants. Vous avez peur de vous exposer. Vous avez peur d'exposer vos idées. Et pour moi, ça a été ça pendant très, très longtemps. La peur de s'exposer. Pourquoi? Parce que on évolue dans des environnements où on va vous dire « Non, mais il faut faire profil bas, ma fille. Non, mais il ne faut pas trop te montrer. Non, mais parle pas trop, pas ceci. » Mais vous avez un message à partager. Et ce message, ça prend le quoi? Ça prend la forme de vos compétences, ça prend la forme de vos talents, de vos dons, de tout ce que vous avez fait, de vos produits, de vos services. Mais si vous avez peur de vous exposer, qui va en profiter? Qui va le savoir? D'accord? Donc maintenant, c'est de se dire, ok, j'arrête cette peur d'être exposée, je l'oublie.
Ça, c'est pour les trouillards. Ça, c'est pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas importants. Parce que vous savez quoi? Les gens importants veulent être exposés. Les gens importants recherchent l'exposition. C'est simple. Quand on me demande, oui, Farida, tu veux bien donner une conférence? Je dis oui. Pourquoi? Parce que de toute façon, si je n'ai pas d'exposition, les gens ne vont pas, il n'y a pas de monétisation derrière. D'accord? Donc, je dois être exposée. Je dois parler, les gens doivent entendre mon message. Et derrière, ça va se faire. Donc, demain, à l'Organisation internationale de la francophonie, ils vont lancer une plateforme pour les femmes francophones entrepreneurs. Donc, j'ai été interviewée, ça va sortir, ça va être une plateforme géniale pour justement connecter toutes ces femmes francophones entrepreneurs et trouver des synergies pour vous permettre d'accélérer votre réussite. Mais si je n'avais pas exposé, si je n'avais pas fait ces Self-Leadership Mastery depuis 44 semaines et toutes mes conférences, la personne qui m'a contactée n'aurait jamais su ce que je faisais. Parce que il a participé à 2-3 Self-Leadership Mastery, mais c'était suffisant. Donc le jour où on lui a demandé, OK, on a besoin que tu nous trouves des femmes leaders qui vont parler d'entrepreneuriat et de leadership. Il m'a appelé et ça s'est fait littéralement en 48 heures. Je suis allée tourner avant de partir à Las Vegas. D'accord? Mais pour ça n'aurait pas eu lieu. Je n'aurais pas pu faire partie de ce super projet de permettre aux femmes entrepreneurs de réussir s'il y avait eu cette peur de l'exposition. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les 24 heures pour vous exposer, exposer vos produits, exposer votre service, exposer votre message? Certains, vous êtes dans le marketing de réseau, qui sait quel produit vous êtes en train d'offrir? Certains, vous avez des prestations de conseil, qui sait ce que vous faites? Certains, vous avez des livres, qui est au courant de votre livre? Certains, vous avez des produits à vendre, qui est au courant de vos produits? Certains, voilà, vous avez envie de changer de boulot, qui sait quelles sont les compétences que vous avez à offrir? Certains, vous êtes en train de créer votre fondation, qui sait quelle fondation? Certains, vous êtes artiste, qui sait que vous avez des toiles à vendre? Exposez-vous. Et donc, ça, c'est le challenge que je vous demande. Exposez-vous dans les 24 heures. Exposez-vous d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez le faire gratuitement. Faites une vidéo, faites un post, écrivez un article, enregistrez un podcast. Interviewez-moi si vous voulez. Moi, je cherche de l'exposition. D'accord? Il y a quelque chose que quelqu'un a marqué. Ce qui fait que vous ne pariez pas sur vous-même, vous êtes au même point depuis des mois. Et ça, c'est génial. Je ne l'avais pas noté, mais je vais la noter tout de suite parce que ça montre que vous n'avancez pas, vous faites du sur place. Si vous êtes au même point dans votre vie depuis des mois, c'est que vous faites du sur place et que rien n'a changé. Et pour vous, j'ai envie de dire, c'est inacceptable. Inacceptable. Là, regardez, on est le premier mercredi du mois de mars. Ou le dernier, ou je ne sais plus. Avec le jet lag, je suis un peu perdue. Donc, ça fait déjà 2 mois que 2018, on a entamé 2018. Qu'avez-vous réalisé? Combien d'entre vous peuvent me dire, un de mes rêves majeurs, j'ai pu faire tick, j'ai pu cross-check et dire, c'est fait, c'est réalisé. Combien d'entre vous? Et je ne sais pas si on a Mylène. Qui est là aujourd'hui en direct, parce que je sais que Mylène, elle a la Guadeloupe et donc on a le décalage horaire. Mais je vais vous raconter l'histoire de Mylène et de Barbara. Donc, Mylène et Barbara, je vais revenir dessus tout à l'heure, puisque je vais parler du voyage à Las Vegas. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, posez-vous la question, si ça fait des mois que vous êtes au même point, c'est que vous êtes en train de stagner. Et rappelez-vous le Self-Leadership Mastery sur la stagnation. Il n'y a pas de stagnation. Soit on croit, soit on décroît. Donc, ça veut dire que si vous stagnez, vous êtes en train de décroître. Donc, vous n'êtes plus dans cette dynamique-là. Vous devez absolument réagir. Et le meilleur moyen de réagir, c'est de vous fixer de nouveaux objectifs et de réduire les délais. Ne vous fixez pas un objectif de vous dire, voilà ce que je vais réaliser dans un an. Non.
réduisez les délais. Là, je me laisse 90 jours, je me laisse 60 jours, je me laisse 28 jours. Et là, dans les 28 jours, je dois faire quelque chose de majeur. Vous savez, il m'a fallu 3 semaines. Entre le moment où j'ai eu l'idée et la réalisation, il s'est passé 4 semaines. Ouais, c'est ça. 4 semaines pour aller à Las Vegas organiser les Lily Days. 4 semaines. C'était un pari fou. Non, mais c'était fou. C'était fou de vouloir organiser ça. C'est pas comme si j'ai un réseau à Las Vegas, etc. Mais je suis venue avec cette idée. Et vous savez, chaque semaine, j'avais envie d'abandonner. Chaque semaine, je me suis dit, OK, j'annule tout. Parce que c'était compliqué. Moi, je pensais que c'était comme à Paris. On appelle un hôtel, on réserve une salle là-bas. C'est pas comme ça. Las Vegas, c'est la capitale de la convention. Il y a des conventions tous les jours. Les salles sont hors de prix. C'est juste, et là-bas, ils vous font payer pour tout. Et je me dis, mais non, mais ce n'est pas du tout le budget que j'avais imaginé. Chaque jour, je ne trouvais pas les speakers. Les gens me disaient, ben non, mon avion arrive à 20h, à 23h, etc. Alors que moi, je voulais commencer la journée. Je voulais ensuite faire le lundi, mais les gens partaient. Un truc de dingue. Je voulais abandonner à chaque fois. Et c'est ça la magie des objectifs. L'objectif n'est pas fait pour être atteint. L'objectif est là pour vous faire grandir. Donc, si vous voulez vraiment grandir, vous devez vous fixer des objectifs ambitieux, mais avec la détermination de faire ce qui est nécessaire pour les réussir. Pas pour vous dire, OK, j'arrête en milieu de route. Et comme je m'étais exposée, parce que je l'avais quand même annoncé à tout mon mastermind et à tout le monde et fait les vidéos, ben, j'étais obligée d'aller jusqu'au bout. Et ça s'est fait. Et ça a été magique. Les feedbacks que j'ai reçus, mais ce n'était pas du tout comment j'avais imaginé. C'était encore mieux. Pas du point de vue de l'organisation, mais juste du point de vue de l'impact que je voulais faire. Donc, quel objectif vous vous dites, voilà, c'est le second défi que je vous propose. Et choisissez un des défis que je vous ai donné. Et allez jusqu'au bout. Qu'allez-vous réaliser? On est le 7 mars, je vous laisse jusqu'au 31 mars. Et vous m'appelez et vous me dites, OK, voilà ce que je m'étais fixé. Et qu'est-ce que vous allez réaliser entre maintenant et le 31 mars? Certains d'entre vous, c'est avoir un nouveau client. Certains d'entre vous, c'est générer 10 000 euros. Certains d'entre vous, j'ai des clients, c'est ce qu'ils ont fait. Ils auraient généré 20 000 euros de chiffre d'affaires en 2 semaines. Dès l'instant où ils ont pris la décision de venir à Las Vegas, boum, les choses se sont mises en place, ils se sont challengés et ils ont généré 20 000 euros pour pouvoir financer leur voyage. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Mais ne vous laissez pas beaucoup de temps. Réduisez le temps, ça va vous obliger à faire preuve de créativité, de dépassement de soi, de sortir de votre zone de confort. Vous n'allez pas être à l'aise tout le temps. Vous allez peut-être même dire, non mais Farida, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire? Mais vous allez peut-être être découragé, mais c'est OK. Persévérez dans l'adversité. Soyez patient. Mais aussi, c'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière toutes vos croyances limitantes. J'entends beaucoup de gens qui me parlent, oui, je veux lever mes croyances limitantes, mais ça ne sert à rien de lever des croyances si vous n'avez pas un projet qui va vraiment les faire voler en éclats. Donc, c'est uniquement quand vous êtes dans le challenge, dans la difficulté, vous allez vous dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui fait que je suis bloquée? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? Quelle est la chose qui m'empêche? Et boum, vous allez voir les croyances qui vont venir. Oui, mais attends, mais c'est pas bien. Non, mais attends, tu te prends pour qui? Mais t'es pas importante. Mais pourquoi tu veux t'exposer? Mais qu'est-ce que les autres vont dire de toi, etc. Donc, maintenant, vous avez tout ça, tout ce bagage, toute cette poubelle qui demande à sortir. Et là, maintenant, quand on va travailler ensemble en individuel, boum, 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 les choses vont sauter. Mais elles vont réellement sauter parce qu'on a eu une situation où vous avez été confronté aux choses. Mais si vous faites juste ce travail-là devant votre ordinateur, vous regardez des vidéos, etc., mais vous n'avez pas le projet qui va vous permettre vraiment de transcender tout ça, ben vous allez recréer en fait. Parce que vous savez quoi? Au moins petit challenge, à la moindre difficulté, la croyance, elle va revenir. Hein? Faut pas croire. Ça repousse. Hein? C'est comme les mauvaises herbes. Ça repousse. Mais par contre, quand vous avez réussi à traverser ça,
Mais même si elle est tentée de repousser, vous allez avoir un élément fort, un ancrage, un objectif que vous avez concrétisé, réalisé, et vous serez capable de dire, bah non, je l'ai fait une fois, je peux le refaire deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, cent fois. Et vous allez devenir inarrêtable. Est-ce que vous me suivez là? Je suis en train de partir dans mon trip. Convaincu parce que je l'ai vécu, revécu, revécu et que j'ai galéré encore les erreurs et tous ces essais. D'accord? Exactement, Corinne. Il ne faut jamais baisser la garde parce que c'est au moment où on baisse la garde que boum, on se fait avoir et je me suis fait avoir maintes et maintes fois. Et donc, c'est pour ça que je vous partage. Est-ce que ça veut dire que demain, je ne vais pas me faire avoir? Je suis humaine. Je ne suis pas infaillible. Mais c'est pour ça que je crée le système autour de moi, le système qui va garantir que même si momentanément, boum, je suis dans le creux de la vague, je sais que le lundi matin à 9h, boum, je suis à nouveau dans les starting blocks. Parce que j'ai créé le système. Et c'est ce que vous voulez. Et une partie de mon système, c'est le Self-Leadership Mastery. Ces Self-Leadership Mastery sont tout aussi importants pour moi que pour vous. Hein. Faut pas croire. Hein. Je m'auto-coach hein, quand je fais ça parce qu'il faut que je prépare et je renforce l'information. Donc, si vous, vous n'écoutez pas, à la limite, c'est même pas mon problème. C'est vous qui perdez parce que moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce niveau d'expertise parce que tous les jours, je parle de ça et je le vis et je l'expérimente. Et c'est l'opportunité que je veux vous donner. D'accord? Ensuite, vous dites quoi? Certains d'entre vous, vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez jolie, vous n'êtes pas assez intelligente, vous n'êtes pas assez riche, vous n'êtes pas assez confiante, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, vous n'êtes pas assez grande, vous n'êtes pas assez petite. Et j'en passe et des meilleurs. On s'en fout. Vous êtes importante et vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous devez vous dire ça. Vous êtes parfait comme vous êtes. D'accord? Mais cette perfection ne va se révéler à vous que si vous acceptez de la reconnaître. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de vous changer. Je suis en train de vous révéler à vous-même. Imaginez ce diamant brut qui existe. D'accord? C'est juste une compagnie qui a fait croire à l'humanité que, mesdames, le vrai symbole de l'amour, c'était le magnifique diamant taillé. Et vous ont vendu. Ils ont tellement parié sur eux-mêmes, ils ont tellement cru en leurs produits qui vous ont vendu. Et c'est pour ça que depuis des générations, d'accord, le diamant va rester le symbole des fiançailles, des mariages, et que, ben voilà, mesdames, vous avez envie d'avoir ce diamant au doigt. C'est une compagnie qui croyait en son produit. Maintenant, moi, j'ai envie que vous croyiez que vous êtes le diamant, d'accord? Et que donc, messieurs, en fait, vous n'avez à la limite, vous pouvez acheter les diamants si vous voulez, mais le vrai diamant, c'est vous, mesdames. Vous l'êtes pour tout le monde. Vous êtes cette opportunité pour tout le monde, pour l'humanité. Donc, quand vous vous dites que vous n'êtes pas assez ceci, vous ne rendez service à personne. Tout ce que vous devez faire, c'est vous rappeler que vous êtes un diamant brut. Et votre mission, en devenant ce leader, en faisant ce travail de développement personnel, en participant à ces séminaires, en vous connectant à ces déjeuners virtuels, en faisant du coaching individuel, vous êtes juste en train de tailler ce diamant. Le diamant, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà parfaite. Mais c'est sûr que si vous êtes un beau diamant taillé, une belle pierre taillée, vous augmentez encore plus votre valeur. Et les gens vont vous arracher, je ne sais pas, vont s'arracher votre diamant, c'est-à-dire vous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a fait sens pour vous? Est-ce que ça a fait sens?
Donc, marquez, oui, je suis importante et je suis un magnifique diamant que je vais tailler. Je vais prendre le temps et le soin de tailler tous les jours et de polir. Parce que personne d'autre pourra le faire aussi bien que vous-même. Personne d'autre. Mais vous savez quoi? Si vous vous traitez comme un diamant précieux, les gens vont vous traiter comme un diamant précieux et vont mettre le prix nécessaire. Donc, si vous êtes un coach et que vous faites vos sessions de coaching à 40 euros de l'heure et en plus, vous avez du mal à avoir vos clients, c'est que vous ne vous traitez pas encore comme un diamant. Mais vous ne pouvez pas demander aux autres de vous acheter au prix d'un diamant si vous-même, vous ne le faites pas sur vous. Donc, est-ce que j'ai des diamants avec moi là, aujourd'hui? Et marquez-le, ceux qui sont sur Facebook. Marquez-le. Est-ce que vous êtes un diamant? Oui, je suis un diamant et je suis prêt à me tailler et me polir tous les jours. Marquez-le. Marquez-le. Super, Jenny qui nous dit oui, moi Jenny, je suis importante et je suis un magnifique diamant brut que je vais prendre soin de tailler tous les jours. Yes, il n'y a pas d'émoticône sur Zoom, mais ça mérite le bras musclé, émoticône. Exactement. Yes, I am a diamond. Vous êtes des diamants. Je suis un diamant, Valérie, je suis un diamant et je me polis chaque jour. C'est vraiment ça. Et vous allez voir les choses changer. Dernier, autre élément certain, vous ne prenez pas de risques. Vous ne prenez pas de risques. Et dans la vie, vous devez oser. Vous devez oser sortir de votre zone de confort. Et regardez dans l'exemple de Grâce. Cette personne qui la contacte aujourd'hui alors qu'elle a fait sa présentation en septembre-octobre. D'accord? Mais elle a osé. Elle a pris le risque de s'exposer, de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et c'est vraiment drôle qu'elle ait été capable de faire ça parce que donc comme je travaille en ligne, donc tous mes coachings se font en ligne, donc je ne vois jamais mes clients. Enfin, je ne vois pas souvent, sauf s'ils mettent leurs photos, ce genre de choses et tout. Et donc, elle était venue à mon séminaire, les Lily Days, mais je ne l'ai pas vue. Et donc, je fais le cocher, je dis, mais en fait, mais Grâce, mais je ne t'ai toujours pas vue, tu es venue au séminaire, etc. Hein? Elle me dit, elle n'a pas osé venir me voir. Je dis, mais elle est quand même énorme. Elle est quand même énorme. Mais elle a osé s'exposer et parler de son projet devant toute une assemblée. Elle le marque, je suis discrète de nature. Donc, voilà, Grâce qui est discrète de nature. Et donc, je peux le confirmer puisque encore au mois de novembre, je ne l'avais pas vu, d'accord? Mais pour quelque chose qui lui tenait à cœur, elle a fait preuve de courage. Elle s'est exposée. Elle a pris le risque d'être critiquée, d'être jugée, que ça ne plaise pas. Mais elle a osé dans un milieu où on ne l'attend pas forcément. Et le jour où elle a eu ce déclic de dire « j'arrête de ramer, je suis une opportunité », boum, les choses se mettent en place. Et elle est contactée par la personne qui dit « voilà, j'aimais ce que vous faites, j'adore les gens qui osent, j'ai envie de vous soutenir avec mon temps, mon énergie, mon argent, mon réseau ». Mais s'il n'y avait pas eu de risque, il n'y aurait pas eu de récompense. Donc, quel risque vous pouvez prendre aujourd'hui, pour avancer dans la direction de vos rêves. D'accord? Et dernier point, ce que les autres pensent de vous est plus important. Arrêtez. Arrêtez d'écouter ce que les autres pensent de vous. Parce que ce que les autres pensent de vous n'est que le reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est tout. Donc, ça veut dire que ça n'a aucune réalité, aucun fondement. Que les gens vous complimentent ou pas, ou qu'ils vous critiquent. Exactement. Comme tu nous dis si bien, Corinne, les autres nous voient à travers leurs filtres.
Donc, ce que les autres pensent de vous en bien ou en mal n'a aucune importance. Sincèrement, ce qui est important, c'est ce que vous, vous pensez de vous-même. Est-ce que vous pensez que vous êtes important? Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment importante pour vous traiter comme un diamant et vous tailler et vous polir tous les jours? Est-ce que vous vous sentez suffisamment, est-ce que vous sentez votre message suffisamment important pour prendre position et vous exposer? Et pour ceux qui sont en entreprise, c'est parfois être capable de dire à votre manager, vous savez quoi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, voilà, voilà, voilà mon opinion. Est-ce que vous êtes capable de parier sur vous? Parce que c'est ça qui est important. Parce que l'impact, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne pariez pas sur vous, si vous ne croyez pas en vous, bah vous allez être affecté. Vous allez être déçu de voir que les autres vont faire passer leurs besoins avant les vôtres. Et je me rappellerai toujours ces sentiments où j'étais là, parfois pour des personnes, des anciens collègues et tout, je me décarcassais, je m'organisais, je faisais des efforts, mais c'était des choses simples, hein, comme juste réorganiser tout son emploi du temps pour participer à une soirée ou un anniversaire, alors que c'est à l'autre bout de chez soi ou qu'on n'avait pas prévu, etc. Et se rendre compte que quand c'était nous, les gens ne faisaient pas l'effort. Des gens qui m'avaient dit « Oh non, mais Farida, je ne peux pas venir à ta soirée de départ parce que j'ai mon cours de gym, j'ai ceci, j'ai cela. » Et j'étais là « Waouh !» Moi, quand j'étais dans la situation inverse, j'avais réorganisé parce que j'avais envie d'être présente pour la personne, parce que je pensais que la personne était importante et que je voulais lui faire plaisir. Et je me suis juste rendu compte que j'avais fait passer les besoins des autres avant les miens. Et donc, du coup, j'étais frustrée. Et vous ne voulez pas vivre ça. Vous ne voulez pas vivre ça. Donc maintenant, je fais les choses quand je me sens bien. Et je ne sacrifie plus mes besoins pour ceux des autres. Il n'y a pas de raison. On est tous importants. Et il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc si vous avez ce sentiment parfois que waouh, vous vous décarcassez pour les autres, mais eux, ils ne sont pas capables de lever le petit doigt pour vous. Ce n'est pas eux le problème, c'est vous. Ça veut dire juste que vous n'étiez pas capable de lever le petit doigt pour vous-même. Et changez ça et vous allez voir que vous allez ensuite voir des gens qui vont lever, mais qui vont se décarcasser pour vous. Et aujourd'hui, mais c'est ce que j'attire des personnes, mais qui m'aident, qui me donnent des coups de main. Mais à Las Vegas, mais c'était stressant, il fallait tout organiser, etc. Les filles qui m'ont donné un coup de main, je leur ai mis la pression et tout. Mais le boulot était fait. Et à la fin, j'étais moins, waouh, mais c'est moi qui ai changé. Et du coup, j'attire des personnes de qualité qui m'aident moi-même à réaliser mes rêves. Parce que je ne peux pas réaliser mes rêves seule. D'accord? Donc pour vous, c'est ça. Mettez-vous, vous êtes important, mettez vos besoins. Autre impact, si vous ne faites pas, si vous ne croyez pas en vous, vos compétences ne seront pas reconnues à votre juste valeur. D'accord? Et le pendant, c'est quoi? Donc, quand je dis vos compétences ne seront pas reconnues à votre juste valeur, que ce soit en entreprise, mais si aussi vous êtes entrepreneur, vous avez votre propre entreprise. Vous allez toujours avoir des clients qui vont vouloir négocier vos prix bas, qui vont faire ci, qui... Non! D'accord? Vous voulez qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, mais c'est vous aussi qui devez vous donner cette valeur. Et vous devez arrêter de voir des personnes me dire « Waouh, mais eux, ils sont moins bons que moi et ils réussissent mieux que moi, ils gagnent plus que moi. » Non, c'est juste eux, ils ont moins d'informations, mais ils sont capables de le valoriser. Est-ce que vous êtes capable de mettre la valeur au bon endroit? Vous allez louper les opportunités parce que vous savez quoi? Les opportunités sont déjà sous votre nez. Elles existent. Mais si vous n'êtes pas conscient, vous n'allez pas les voir. Donc, votre objectif, c'est comme Grace tout à l'heure. Elle a pris la décision d'arrêter de ramer. Et ça fait le déclic dans sa tête. Elle est passée à l'action, elle a changé son pitch, elle a ajusté les choses, elle est allée avec une autre énergie et boum, les opportunités qui étaient déjà là ont commencé à émerger.
cette personne qui l'a contactée, c'était depuis septembre. Pourquoi elle a contacté que maintenant en février? Parce que c'est que en février que Grace s'est réveillée et qu'elle a décidé d'upgrader son jeu, son niveau, sa vibration. Et les opportunités qui étaient latentes sont devenues présentes. Combien d'entre vous, vous avez vos clients qui sont déjà sous vos yeux, mais ils sont pas encore passés à l'acte d'achat avec vous parce que vous n'avez pas encore upgradé votre jeu? Posez-vous la question. Et dernier élément, vous n'osez pas être vous-même. Vous avez tellement peur du regard des autres, de ce que vont penser les autres, que vous n'osez pas montrer que vous êtes foufou. Mais oui! Sincèrement, là, regardez, en 10 jours, j'ai 9 personnes qui m'ont dit, Farida, on te suit, on va à Las Vegas. C'était fou! C'était fou de se dire, d'organiser ça à la dernière minute. Les gens n'avaient pas prévu un tel investissement. Certains d'entre eux ne me connaissaient pas quelques jours avant le voyage. La moitié, je les ai rencontrés pour la première fois à Las Vegas. Ils ne connaissaient pas Grant Cardone auquel on qui organisait la conférence TENEX. C'était fou. Mais si je n'avais pas osé partager cette folie de se dire, mais vous savez quoi, allons faire un truc fou, allons organiser les Lily Days. Pourquoi se contenter juste de faire des conférences à Paris quand le monde est à nous? Ben, je n'aurais pas vécu cette expérience incroyable. Incroyable avec ses participants. On s'est éclaté, on a rencontré, mais alors on était 9. On avait la Guadeloupe, on avait une personne qui venait de Londres, une personne qui venait de Toronto, une personne qui venait d'Autriche, 2 personnes qui venaient de Nantes, et j'étais la seule parisienne. Et ça a été une expérience, mais de transformation totale. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de Mylène et Barbara. Donc, Mylène et Barbara, je ne les connaissais pas. Donc, Mylène, je pense que je l'ai connue au mois de novembre, et Barbara, je l'ai connue une semaine avant d'aller à Las Vegas. D'accord. Et donc Mylène, comme elle est coach et tout, et que voilà, en ce moment, je recrute des coachs aussi pour travailler avec moi parce que j'ai des projets et que je ne peux pas tout faire tout seul, donc j'ai besoin de recruter des coachs. Comme c'est une de mes clientes, on travaille déjà ensemble, je me dis, tiens, elle est aussi coach, ça peut être intéressant de la faire intervenir sur un de mes projets. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. Et quand vous avez des projets, vous devez vendre vos projets. Mais vous ne pouvez pas vendre vos projets si vous ne connaissez pas les rêves, les ambitions, les aspirations des personnes que vous avez en face de vous. Je pose donc la question à Mylène. Quels sont tes rêves pour 2018? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Et là, elle me dit, un de mes rêves que je me suis fixé en janvier de cette année, c'est d'organiser, de donner une conférence aux États-Unis en anglais. Et là, je commence à pouffer de rire, mais t'es sérieuse là? Parce que le matin même, je me réveille avec cette idée, ok Farida, tu vas aller à Las Vegas organiser les Lily Days. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le rêve de Mylène à ce moment-là. Et donc, j'ai dit, mais tu sais, c'est très simple. Enfin, je ne l'ai pas dit tout de suite, j'ai dit, mais si tu bosses avec moi, je vais te montrer exactement comment faire de ton rêve une réalité. Et donc, Mylène, avant fin février, avait réalisé un de ses rêves majeurs qui était sur sa liste. Combien d'entre vous aimeraient réaliser vos rêves avant le 31 décembre? Combien d'entre vous aimeraient se dire, dans les 90 prochains jours, le rêve majeur que j'ai pour moi sera réalisé? Ça s'est fait. C'était juste incroyable. Elle nous a parlé et donc on a fait les Lily Days. Il y avait la présidente du Speaker Bureau, donc c'est le bureau des conférenciers de Las Vegas qui était là. Et après, quand on a débriefé, elle m'a dit, mais waouh, les speakers que tu as mis sur scène, Farida, mais c'était juste incroyable. Je n'arrive pas à croire que Mylène ne parlait pas anglais et qu'elle a appris anglais toute seule. Elle était inspirée par ces speakers. Donc, c'est ça en fait, quand vous osez parler de vos rêves aux bonnes personnes,
Elle vous donne accès. Barbara, c'est pareil. Donc, Barbara a été recommandée par une de mes clientes. Donc, on commence à discuter. Et donc, pareil, bah, même si je dois être votre coach et je dois travailler avec vous, je dois comprendre quels sont vos vrais rêves. Qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur? Je commence à échanger avec Barbara et je dis, mais elle me dit, ben voilà, j'ai vraiment envie de changer d'environnement. Je suis à Vienne et je sens que je ne progresse pas. Un de mes rêves cette année, c'est d'aller aux États-Unis et vraiment d'apprendre, d'aller à des conférences. Je n'ai jamais fait ça. Et là, je commence à pouffer de rire. Mince. Je commence à nouveau à pouffer de rire parce que je lui dis, ben, Barbara, c'est simple. Bosse avec moi et je vais te montrer comment faire. Et une semaine plus tard, Barbara était à Las Vegas pour cette convention où on était 9000 personnes, mais Barbara n'est juste plus la même femme. Elle avait démarré sa carrière, elle a tout arrêté pendant 20 ans pour s'occuper de sa famille, son mari, ses enfants et tout. Donc, elle avait mis sa carrière en suspens. Donc là, ça fait un an qu'elle se remet sur le marché du travail. C'était hyper difficile, elle ne savait pas trop comment faire. Mais la personne qui est arrivée à Las Vegas et la personne qui est repartie n'est juste pas la même. Juste parce qu'elle a pris une décision de croire en elle que c'était possible. Donc, je pourrais rester toute une journée à vous raconter les histoires de Neka, de Raïssa, de Sandra, de Johanna, de Jean-Rémy. Mais c'est possible pour vous également. Mais vous devez vraiment faire trois choses. Et ça, donc, à Las Vegas, après les Lily Days donc, que j'ai organisées, on a fait vraiment autour du leadership, des histoires d'inspiration. On a participé à la conférence 10X qui a regroupé mais vraiment 24 speakers, des hommes, des femmes d'affaires qui ont réalisé mais, des choses mais hyper inspirantes, qui nous ont partagé leur histoire. Comment ils ont commencé avec zéro, avec rien, avec peu de confiance en soi, d'estime de soi-même, avec des difficultés de toutes ordres. Et comment ils ont tout transformé ça. Et ils ont été capables, mais vraiment, de changer leur vie et celle de milliers de personnes. Et il y a trois éléments qui reviennent. Et vous allez me dire, mais Farida, ça ressemble étrangement à ce que tu nous dis, mais c'est parce que si eux, qui sont encore à un autre niveau que moi, le disent, c'est que j'ai peut-être pas totalement tort. Développer une conscience de soi. Vous devez avoir conscience de qui vous êtes. Les personnes qui réussissent ont conscience de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs comportements, de leurs habitudes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce n'est pas ça le problème. C'est d'avoir cette conscience. Parce que quand vous avez conscience de qui vous êtes, vous n'êtes plus la victime de vous-même. Combien d'entre vous êtes la victime de vos croyances limitantes, de vos schémas, de vos patterns, de vos habitudes inconscientes? Non, vous devez développer cette conscience de vous-même. Et c'est tout le travail de développement personnel qu'on fait semaine après semaine. Je vous donne des informations, mais si vous ne les retravaillez pas derrière, le miracle, ce n'est pas juste d'être là une heure. Le miracle, c'est quand vous allez prendre cette information, vous allez la réécouter, vous allez vous poser la question, comment j'applique cette information dans ma vie? Et vous allez voir les changements. Ensuite, c'est investir sur soi. Beaucoup de speakers, ils ne sont pas juste venus là pour parler, mais ils sont venus aussi apprendre des autres. Continuellement, ils apprennent des uns des autres, ils se posent les questions. C'était énorme. Quand Ed Mylett, par exemple, c'est celui qui est en tout premier sur la photo, nous dit, mais waouh, qu'il a énormément appris pendant ce week-end. On se dit, mais attends, mais le mec, il est multimillionnaire, il a payé son jet privé cash. Il n'a pas fait un emprunt, il a payé cash. Il a une superbe villa au bord de la mer, il a payé cash la maison. Donc, ce n'est pas juste genre je fais des emprunts et puis après je vais faire ensemble. Et il dit qu'il a appris des choses sur la vente, sur comment mieux se vendre. On se dit, mais je dis, ok, donc si lui il a appris, mais franchement, ok, il me reste tellement à apprendre. Donc, investissez sur vous. Croire en soi, c'est ça. C'est être conscient de soi, c'est investir sur soi. En séminaire, donc samedi,
Venez à Paris, que vous soyez, je m'en fous, vous me dites oui, mais j'habite au Luxembourg, j'habite en Belgique, faites le déplacement. On est allé jusqu'à Las Vegas, vous pouvez prendre le train et venir. C'est une journée qui va changer votre vie. Investissez en coaching, ils ont tous des mentors et font tous partie d'un programme de mentoring. Parce que finalement, à un moment donné, on se retrouve dans cette dynamique où on est continuellement en train d'apprendre, mais pour soi-même assimiler, on est continuellement en train de transmettre. Donc, ces personnes-là qui réalisent des millions, des milliards, ils ont continuellement des masterminds, des coachs, des mentors. S'ils prennent le temps d'investir, pourquoi pas vous? Grant Cardone, il disait qu'il investit 300 000 par an avec un mentor. 300 000. C'est parce qu'il voit la valeur derrière. Et surtout, c'est parce qu'il croit en lui et qu'il sait qu'il est capable de transformer ses 300 000 en millions et milliards. Mais vous devez croire en vous aussi et investir. Là, j'ai travaillé avec un couple. Ils ont investi 4 000 euros avec moi et ils ont fait 20 000 euros en 2 semaines, le premier mois de leur coaching. Est-ce que vous pensez que c'était rentable ou pas d'avoir multiplié par 5 leur investissement en le premier mois? Il nous reste encore 2 mois de coaching. Donc, c'est ça que vous devez faire. Mais si vous n'investissez pas en vous, vous n'allez jamais retirer. Et dernier élément, s'entourer de leaders. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Grant qui nous dit, j'ai pas fait cet événement de 9000 personnes pour vous. Enfin, si, entre guillemets. Mais c'était d'abord pour lui. Il dit, voilà, parce que je voulais être avec Anne Mylett, avec Naveen Jain, avec Lewis Oz, avec Russell Branson, avec tous ces leaders et apprendre d'eux. C'était inspirant. Il y a ce mec, Russell Branson, il a fait 3 millions sur scène en 1h30. 3 millions. De chiffre d'affaires. Et le lendemain, je suis sûre qu'il a fait 1 million supplémentaire. Comment vous voulez faire voler en éclats vos croyances limitantes si vous êtes toujours entouré des personnes qui vous racontent les mêmes histoires? Quand vous vivez l'expérience et que vous voyez un homme sur scène, il n'est pas très grand, il n'a rien d'extraordinaire, qui fait comme ça 3 millions en 1h30, bah, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est que c'est possible. Donc, si vous ne faites que 300 euros en une heure, 3000 euros en une heure ou 30 000 euros en une heure, ça devient possible parce que vous avez vu quelqu'un faire quelque chose d'extraordinaire. Mais pour ça, vous devez vous entourer de winners, vous devez vous entourer de personnes qui réussissent parce que c'est uniquement comme ça que vous allez changer vos croyances limitantes en vous exposant à des gens qui réussissent. Donc, le prochain voyage qu'on fait, c'est à Washington cet été du 4 au 11 juillet. Venez, sortez de votre zone de confort et venez. Parce qu'à force de rencontrer des personnes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire comme grâce. Vous allez prendre la décision d'arrêter de ramer et de commencer à surfer. Vous allez commencer à rencontrer des gens qui vont vous rappeler que c'est possible, quel que soit votre niveau de départ. D'accord? Donc, pour moi, oui, je suis allée à Las Vegas pour apprendre ces 3 clés. Est-ce que ça valait le coup? Ça valait largement le coup. Parce que continuellement, j'ai besoin aussi de recroire en moi-même, de recroire en mes rêves, de recroire en mes compétences. D'accord? Parce qu'on est humain et il y a des jours où on a des coups de mou. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Samedi, ce samedi, achetez votre billet de train ou d'avion, vous venez comme vous voulez, vous prenez un Blablacar, vous prenez Flixbus, je m'en fous, vous devez être là, d'accord? Donc, on va faire le séminaire « Laisse rayonner ta confiance ». Ça va être vraiment un cran supérieur. Vous allez apprendre à polir ce diamant. Vous devez repartir de là, vous allez repartir transformé, avoir un autre niveau de confiance en vous-même, en vos compétences. Ça va transformer votre vie. Et vous allez voir, si vous venez dans les 90 jours, ce qui va changer dans votre vie, ça va être incroyable. Vous allez être comme grâce et vous allez être vraiment cet aimant à opportunité. D'accord?
parce que vous allez apprendre à parier sur vous. Vous allez savoir comment donner confiance aux autres pour qu'eux-mêmes vous fassent confiance. Vous allez devenir inarrêtable face aux critiques. C'est fini cette peur du regard des autres, etc. Et vous allez apprendre à vous faire confiance en toutes circonstances, parce que c'est ça le plus important. C'est que demain, même si vous apprenez des mauvaises nouvelles, c'est demain, même si les choses ne se passent pas comme prévu, si vous vous retrouvez en difficulté, vous avez confiance et vous savez que vous allez rebondir. Vous serez capable de dire, je ne sais pas si les autres vont le faire, je ne sais pas si les autres sont capables de réussir, mais moi, je suis capable de le faire parce que je sais qui je suis. Donc, voilà le lien. Allez vous inscrire. Ça va être juste extraordinaire. D'accord? Donc, à Paris, 9h30, 18h, et tout va changer. D'accord? Donc, vous devez absolument être là. Et tout à l'heure, je vous avais fixé un défi de, voilà, d'oser quelque chose. Donc, si vous postez, donc, je lance un tirage au sort. Vous postez avant ce soir minuit votre vidéo, donc sur votre journal Facebook, vous me taguez dessus et tout. Dites-moi une vidéo, 2 minutes, très simplement, comme grâce tout à l'heure, en quoi ces Self-Leadership Mastery ont changé votre vie. Ça peut être un exemple, une histoire, quel bénéfice vous avez retiré. Et je vais tirer quelqu'un au sort demain et je vais vous offrir votre place au séminaire. Mais je veux avoir des dizaines de vidéos. Pourquoi? Parce que ça va montrer que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, que vous pensez que vous êtes important, que vous n'avez plus peur de vous exposer, que vous n'avez plus peur de ce que les autres vont penser de vous et que vous croyez suffisamment en vous pour gagner. D'accord? Donc, une vidéo, 2 minutes, en quoi ces Self-Leadership Mastery ont changé votre vie. Inscrivez-vous, ça va être phénoménal. Si vous vous inscrivez en VIP, on va déjeuner ensemble, donc ça va être l'occasion, voilà, on sera un petit comité et puis ben, vraiment avoir ce temps individuel, mais faites des grandes choses. J'ai vu comment Mylène a été transformée, Barbara, Johanna, Jean-Rémy, et j'ai vraiment envie de vous emmener un cran plus loin. Donc maintenant, ça va être se dire, voilà, on va aller faire les Lily Days à Las Vegas, à Washington cet été. Donc ça va être en juillet, donc les Lily Days à Las Vegas. Lily Days à Paris, 26 et 27 octobre. Réservez déjà votre agenda et il y a tellement de choses qui vont se mettre en place. D'accord? Donc vous avez toutes mes adresses si vous avez des questions. Et comme toujours, marquez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, avec encore plus d'histoires de transformation. Je crois en vous. Et c'est pour ça que je prends ce temps. Mais ce qui est important, c'est que vous, vous croyez en vous-même plus que tout. Parce que là, vous allez devenir inarrêtable. Et vous ferez partie de ces rares personnes qui font passer leurs rêves à la réalité. Je compte sur vous. Et tenez-moi au courant. Ciao, ciao!